Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler du Bayern contre le PSG. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pendant que je mets le générique. Donc, PSG contre le Bayern, la quart de finale qui s'est passée il n'y a pas longtemps. PSG a gagné le Bayern 3 buts à 2. Pour moi, c'est la première fois que je vois que le PSG gagne le Bayern comme ça. Non, mais vraiment. Le PSG était vraiment concentré. Mbappé a marqué 2 buts et Marquinhos a marqué un seul but. Ça, c'est le match d'aller. Bon, donc, Neymar était vraiment, vraiment concentré sur son match. Il a envoyé 2 passes à Marquinhos et Mbappé. Ils ont marqué. Non, mais vraiment. Et quand on faisait les fautes à Neymar Junior, il ne discutait pas. Je sais pas pourquoi. Ou peut-être que son coach l'a parlé. Ou peut-être que son. Ou peut-être qu'il a eu un carton jaune la semaine passée, je ne sais pas. Non, mais vraiment, bravo PSG. Là, pour le PSG a gagné le Bayern. Pour moi, c'est la première fois que moi je vois ça, que le PSG gagne 3 buts à 1. Pour moi, c'est la première fois le match d'aller qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Le match d'aller, PSG a gagné 3 buts à 1. Mais le match retour, ce serait mardi le 13 avril 2021 à 20h. Donc, on va voir seulement le match de retour. Comment PSG va ou le Bayern va prendre sa revanche. Bon, je sais pas, on va voir ça. Mais là, les Parisiens étaient vraiment, vraiment concentrés. Les Parisiens, surtout Neymar, il était vraiment concentré. Il a envoyé 2 passes à Kylian Mbappé et Marquinhos, et ils ont marqué leur but. Bon, regardez un peu la première passe que Neymar fait à Kylian Mbappé à la 3e minute du match, et Kylian Mbappé a marqué le but. Regardez. Bon, c'est incroyable ce but. Il a marqué. Kylian Mbappé a marqué le but. Et pour Marquinhos, il a aussi envoyé une longue passe. Comme si, je ne sais pas, peut-être c'était un coup franc. Mais ça, c'était un beau but. Et tout ça, c'était Neymar. Neymar était vraiment concentré. Regardez
la passe que Neymar a fait à Marquinhos pour que Marquinhos marque son but. Regardez. C'est incroyable. Donc, Neymar était vraiment concentré. Et pour aussi les fautes, j'ai vu que quand le tacle, il ne discutait pas. Mais vraiment bravo. Et bravo aussi à Kylian Mbappé. Les gens insulte dernièrement que chaque fois il se fait mal. Bon, moi je sais pas, mais Bayern, moi c'est la première fois que moi je vois que le PSG gagne le Bayern 3-2, et Choupo-Moting a joué contre son ancien club PSG. Jusqu'à même, il est parti même de leur saluer le PSG. Et Choupo-Moting a marqué son premier tir du PSG contre le Bayern. Il a marqué avec la tête, donc tu promotes. Ouais. Et je vous dis pourquoi PSG a gagné Bayern. Parce que le joueur du Bayern, le joueur qui est vraiment, vraiment fort, il est à 50% de but. C'était Lovetsky, mais il n'a pas joué. Parce que il était blessé. Il y a aussi Verratti qui n'a pas joué parce que il y a le Covid-19. Donc, je ne vois plus Kuzawa jouer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est blessé. Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça, mais je suis sûr que Lovetsky va jouer mardi, le match retour. Et vous allez voir les buts qu'il va faire. Bon, moi je ne sais pas parce que moi je dis ça parce que je suis un supporter de PSG quoi. Oui. C'est parce que Lovetsky était pas là. Il était blessé. Cette vidéo, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez. Ça me fait plaisir. Le match retour, ce serait mardi le 13 avril à 20h. Donc, je suis prêt à voir ce match et à la prochaine.